Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Sail, un jeu disponible sur le store pour 14 euros, je crois, quelque chose comme ça. Ça sera marqué de toute façon dans les commentaires. Donc là, nous sommes en face d'un jeu qui vous fera penser. Alors, c'est ce qu'on m'a dit parce que je l'ai présenté à des amis qui connaissent Sea of Thieves et qui m'ont dit que ça ressemblait énormément dans le concept. Je ne peux pas vous le dire car je ne l'ai pas fait personnellement. Donc, on va se baser sur le principe de ce qu'on voit, hein, et sur la VR parce que c'est pour ça que vous êtes là et moi aussi d'ailleurs. Donc, on va jouer. Donc, c'est un jeu apparemment qui peut se jouer en mode multijoueur. Là, on joue en mode solo. Donc, vous voyez, single et player et multiplayer. Donc, en fait, c'est très simple comme jeu. C'est un jeu où vous êtes un pirate. Là, vous êtes dans votre grotte. Là, c'est tout ce que vous allez récupérer. Donc là, je n'ai rien récupéré du dernier voyage. Alors, voilà comment ça se présente. À chaque fois, vous revenez ici. Vous voyez, là, j'ai mon bateau de base. Vous voyez, je peux choisir différents en fonction de si j'ai payé ou pas, quoi que ce soit. Je peux choisir mon drapeau en fait de pirate mon navire. Le navire aussi, si j'en avais plusieurs, mais je n'en ai qu'un, c'est que le radeau. Voilà, après là, vous voyez, j'ai des cartes, des choses comme ça, mais les cartes, c'est pas les bonnes. Les bonnes, on les verra quand on peut les acheter. Donc ça, vous voyez, c'est une espèce de hub, en fait, dans lequel on se retrouve quand on a perdu. Voilà, donc là, on avance un peu. Mon radeau, il est là. Alors, comme d'habitude, en VR, en la première personne, c'est des mains qui font tout, hein, bien évidemment. Je peux sauter, hop, voilà. Là-dedans, je vais avoir les armes. En l'occurrence, un sabre. Et en principe, il y avait un pistolet, mais je sais plus exactement. Enfin bref, ça n'a pas trop d'importance pour le moment. L'arbalète. Alors ça, par contre, je l'avais pas avant. C'était une mise à jour, ça. Parce que j'avais installé le jeu, mais il n'était pas aussi rempli, je crois. Donc voilà, là, on va traverser la cascade et on va aller à l'aventure directement. Je navigue, vous voyez, avec... je peux moi-même tourner la barre. Pour accélérer, il faut juste, descendre la voile. Et dans ces cas-là, je vais aller plus vite. Vous donc serez sur l'océan. Il y a différentes îles avec différentes choses à faire. Donc là, on va aller voir... j'ai deux épées. Je sais pas pourquoi. Avant, j'avais un pistolet, il me semblait. Bref. On va aller sur une petite île, si je me rappelle bien, parce que la dernière fois que je l'avais fait, il y avait une île en face. Une petite île. Mais je crois que j'ai une carte qui doit traîner quelque part. Je sais, peut-être dans... C'est pas dans Weapon, je sais pas. J'aurais peut-être dû la prendre. Bon bref, là-bas, je la vois, là, l'île. Donc on peut se balader librement. Mais si vous préférez, il n'y a pas vraiment de scénario, il y a des buts à atteindre, mais il n'y a pas de scénario à proprement parler, quoi. Hein. C'est un jeu qui n'a pas vraiment de fin. Hein. Vous continuez, vous avez des aventures, vous allez upgrader votre navire, votre équipement, etc., etc., etc. Vous voyez là, par exemple, ma voile, elle n'est pas terrible, hein, donc forcément, j'ai pas une bonne, une bonne vitesse à cause de ça, mais enfin, ça suffit bien largement. Là, je vais attendre et puis je mettrai le caillou quand je serai proche. Parce que si je vous dis pas de bêtises, techniquement, l'île est habitée par des méchants. Des méchants. Donc c'est assez calme. On entend juste la mer. Hop. Je sais pas si je peux. Voilà, là, on est pas mal. Je vais prendre un boulet de canon. On va le mettre dans l'an. Je vise. Boum. Et vous voyez, là, il y a l'espèce de méchant pirate dont je me suis débarrassé. Ah, bah, elle était là, la map et l'inventaire. Alors, j'ai un détecteur de métaux à l'ancienne, une canne à pêche, une longue vue, une pelle pour creuser quand, mince. Quand vous en avez besoin. Là, je récupère tout, je mets tout dans mon store, en fait. Vous voyez, il y a une grosse île aux pirates là-bas. Et puis, on va revenir sur le navire. Un navire de fortune, hein.
Alors là, j'ai fait une bêtise, voilà, c'est parce que je m'étais mis trop loin, ce que je n'aurais pas dû faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer déjà de tourner dans un premier temps, et ensuite je vais relever mon espèce d'encre, en fait, que c'est un gros boulet, tout simplement. Hop. Faut pas se prendre. Bah alors. Bah, c'est pas évident, hein. On va y arriver. Je vous l'avais dit qu'on y arriverait. Voilà. Bon, là, je l'ai fait en room scale, mais j'aurais peut-être pas dû. Je l'aurais fait avec le stick. Je crois que ça aurait été beaucoup plus simple. On va aller accoster. Il y a une espèce de petite crique. Et puis, à l'autre côté, c'est pas une crique, c'est carrément la plage. On va aller sur la plage. Donc, vous avez vu, ils sont apparus, les méchants, là. Bah, le méchant. Et en fait, ça sera toujours comme ça. Hein. Donc, là, j'ai un harpon aussi. Hein. Ça, c'est une nouveauté qu'il n'y avait pas avant. Il doit y avoir maintenant des monstres marins qu'il n'y avait pas. Voilà, tout simplement. Donc là, on va attendre un peu. Et je vais aller donc sur cette île qui va me permettre d'acheter de l'équipement, vous allez voir. Bon là, en principe, on est pas mal. Vous voyez, je suis pas trop la tête sous l'eau, donc je risque pas de perdre de vie. Je prends une épée. Là, il n'y a pas de quoi à récupérer quoi que ce soit. On vérifie. Bon, il n'y a personne. Donc, vous voyez, il y a des caisses. Les caisses, on les casse. Dedans, il y a de l'argent. Mais, voilà, le truc, c'est que ça ne plaît pas aux autres pirates. Vous voyez ? Lui, ça lui a pas plu. Et vu la musique, je dirais qu'il y en a un autre à qui ça plaît pas. Quand vous entendez cette musique-là, en règle générale, c'est qu'il y a un autre pirate pas loin. Bah, du moins un boucanier. Pas forcément un pirate. Donc, j'ai récupéré une espèce de tête de mort. Je vais vous montrer après à quoi ça sert. Donc là, j'ai cassé les caisses. Là, vous voyez, je vais pouvoir vendre, par exemple, cette-ci. Vous voyez, ils me disent que j'en ai pour 500... dollars. Je récupère mon pognon. Bah oui, je parle comme un pirate, qu'est-ce que vous croyez? Hop. Ah, lui non plus, ça lui a pas plu, vous voyez. Bon, bah, on va trancher dans le vif. Hein. Et puis voilà. Là, je récupère l'espèce de, comment dire, verre en argent, je suppose, du moins. Bon là, il y en a deux à qui ça n'a pas plu. Voilà, lui non plus. Donc, on récupère. Avec l'argent que je récupère de ces trucs des ventes, je vais pouvoir acheter, vous allez voir, une arme, etc., etc. Déjà, on va vendre ça. Alors. Je mets sur la table tout ce que j'ai envie de vendre. Il n'y avait pas grand-chose. Hop, j'ai récupéré un peu de tout quand même. Ah, ensuite. Non, non. Là, le pistolet, il faut 1000 dollars. Et moi, j'ai 1092. Je l'achète. Voilà, maintenant. Je peux pas... Ouais, si. Vous voyez, c'était simple. Donc, je garde toujours un sabre à mon côté, parce que pour casser les caisses et puis se battre quand on n'a plus de munitions, c'est quand même bien pratique. Donc là, on va regarder un petit peu s'il y a des caisses à récupérer. Là, vous voyez, par exemple, il y en a. Donc on va y aller. Mais dans mon souvenir, il y en avait plus. Bizarre. Bon, vous avez compris, hein. Au niveau des graphismes, voilà, on va parler un peu technique, man. Là, on a parlé... du gameplay, maintenant on va parler un peu technique. La technique, le jeu est simple graphiquement, il reste propre et surtout il est très fluide. Donc c'est surtout ça qui est bien. Et puis des jeux où vous incarnez un pirate, peu importe que ça soit un jeu single player, bah, du moins en solo ou en multi, il n'y en a pas 150 000. Donc ça, faut faire attention parce que ça, ça pète. Si vous tapez trop fort dedans, ça pète. Alors, on va essayer de le virer. Voilà. Voilà.
Bon, j'ai pas pu essayer du coup mon... Mon comment dire... Mon pistolet, mais c'est pas grave, on l'essaiera une autre fois. Alors, les bouteilles, c'est pour donner de la vie. Ah bah oui, mais j'ai pas acheté de munitions. Bah voilà. Ça, vous voyez, c'est une grosse bêtise. Je peux pas rentrer. Donc, il faut que je retourne chercher des munitions. Parce que j'ai acheté un pistolet, mais je n'ai pas acheté les munitions qui va avec. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Donc, quand vous lâchez votre arme, elle revient directement à son emplacement. Il n'y a pas besoin de vérifier. Hein. Il n'y a aucun souci. Bon, vous avez compris le principe. C'est du jeu... je sais pas comment on pourrait appeler ça. C'est pas vraiment un jeu d'aventure, mais... Parce que à chaque fois que vous allez recommencer, ça sera... Vous voyez, ça va être... ça sera... une nouvelle partie, hein. Donc, à part si, bien sûr, vous avez pu, comment dire, pu sauvegarder certaines choses dans le hub que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, les boulets de canon, parce que les grosses pierres que vous voyez, c'est les boulets de canon qui vont me servir quand je serai sur mon navire, ou sur mon radeau, en fonction. Vous avez compris. Là, je retourne vendre deux ou trois trucs, parce qu'il va me falloir quand même... Vous voyez, là, par exemple... Pour, je peux avoir un petit bateau pour 10 000 $. Ensuite, et ainsi de suite, je vais upgrader mon navire. Bon, c'est sympa, hein. Dans le concept, je trouve ça original. Donc là, les munitions, ça doit être... là, c'était les armes. Et les munitions, c'était... Ça doit être là. C'est pas ça, pistole... Non, là, c'est rifle. Donc là, c'est pistole. Donc là. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze. Bah, je sais pas trop si 15, c'est déjà pas mal, non? J'y dis ça. 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Du coup, voilà. Il faut que je prenne ça et que je le mette dedans. Donc là, lui, il est prêt, il est paré pour toutes les éventualités. Maintenant, je reprends mon sabre. On va parcourir un petit peu, donc du coup, l'île, on récupère le maximum. Ici, c'est là où vous achetez les... Mais il y a différents endroits pour acheter différentes choses en fonction de... Voilà, etc., etc. Donc là, on va pas perdre de temps. Et on va essayer de tirer dans le... Alors. Ça, par contre, c'est pénible. Faut vraiment avoir l'habitude de réarmer et tout à chaque fois. Ah, c'est dommage, j'ai un sac qui a volé là-bas. Bon, là, je me méfie qu'il n'y en ait pas un qui vienne parce que je sais que ça leur plaît pas aux autres boucaniers que je pique le matériel. Je me demande bien pourquoi. Ouf. Voilà. Bon. Non, là, il n'y a rien. Bon bah on continue un petit peu là notre visite et puis après on va reprendre le bateau et on va aller sur une autre île où il y aura peut-être plus de choses à faire. Bon là j'ai pas, vous avez pas vu grand chose sur cette île là parce qu'en fait j'ai pas assez d'argent et puis là ça va être compliqué de refaire une partie pour tout. J'ai cru qu'on m'avait tiré dessus. Ah je suis pas fou, j'entends bien les trucs là. Bon j'entends des bruits mais il y a personne qui vient donc bon. On va faire comme s'ils n'étaient pas là. Mon navire, on va aller chercher. Alors, je sais plus où je l'avais mis, mais je crois que c'était pas. Bon, là, il y a des caisses, du coup, qui sont apparues, alors que tout à l'heure, elles n'y étaient pas. Donc, on va aller les chercher pendant qu'on y est. Donc. Ah, ça n'aura pas plu du tout. Oh.
Voilà. Comme ça clôt le débat. Par contre, il faut que je reprenne de la vie parce que j'étais plus à beaucoup là, ça va pas le faire. Bon, je vais prendre toute la vie qui me reste, malheureusement. Voilà, toc, et on est reparti. J'ai pas réarmé mon pistolet dans l'optique où je ne m'en servirai pas tout de suite. Donc, on va aller voir un peu comment ça se passe dans le hub, maintenant que je vous ai dit tout ça. Alors, est-ce que je peux... Oui, en principe, je crois qu'on pouvait. Voilà. Voilà. Donc, on tourne. Et on va aller à la cascade. Après, on verra. Hop. Bon, là, c'était surtout pour vous montrer le gameplay et vous présenter un petit peu le jeu par lui-même. Mais bon, je fais pas une grosse partie. Hein. C'est juste histoire d'eux. Hein. Mais c'est propre, hein, c'est joli. Puis vraiment, on a... Alors, comme toujours, c'est un mini-univers. Chaque jeu a un mini-univers en VR. Là, par exemple, vous voyez, je suis dans l'univers du jeu de pirate. C'est leur univers qui s'ouvre à moi. Et du coup, voilà, je suis là-dedans. C'est la particularité du VR. Même quand c'est un petit jeu, on est tout de suite dans l'univers qu'on vous présente. Contrairement à un jeu qui est sur un écran où, en fait, vous êtes dans votre salon, dans votre salle de jeu, peu importe. Vous êtes chez vous, vous voyez ça par votre écran. Donc forcément, il n'y a pas de micro-univers parce que vous voyez ça comme ça, par un écran. C'est comme si vous aviez une petite fenêtre et vous ne voyez pas tout. Alors que là, je suis libre de mes mouvements dans cet univers-là. Donc forcément, ça n'a pas du tout le même impact sur la personne, en fait. Et forcément, un jeu de pirate, c'est terrible. Terrible. Voyez, regardez. Donc là, j'ai récupéré de l'argent et tout ça. Je pense que je peux mettre... Non, je peux pas mettre mon pistolet. Donc je peux pas le sauvegarder, mais... Là, je peux upgrader, mais il me faut de l'argent. Et là, j'ai que 203. Il me faut 10 000. Vous voyez, ça fait quand même une sacrée marge. Là, je peux directement acheter, mais... ça n'a aucun intérêt pour le coup. J'ai pas acheté les cartes qui vous disent où sont... où vous avez accès à, par exemple... pas des quêtes, mais presque... c'était acheté sur l'île où j'étais tout à l'heure, moi je l'ai entre autres, hein. Mais j'y suis pas allé, donc là on va retourner. Bah je sais pas trop. Bah alors. C'est marrant, on a l'impression que c'est mis mais en sens inverse. Voilà, bon. J'ai ouvert. Ça en grand, j'ai sauvegardé un petit peu de sous, ce qui permettra de, quand je vais perdre ou je recommencerai, d'avoir les sous que j'ai mis de côté, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a un bateau là-haut qui s'est échoué sur le haut du... c'est intéressant, c'est intéressant. Bon, la map. Vous voyez, là, c'est là où je suis, et c'est tout ce qu'on peut faire. On voit les bateaux, justement, qui peuvent être certainement abordés. Vous voyez, donc là, c'est la petite île où j'étais tout à l'heure. Et j'ai dit qu'il y en avait une autre derrière, je crois. Donc on va aller voir vite fait. Hop. Hop, on lâche la map. En attendant, on va regarder comment ça fonctionne. Donc ça, je dois le réarmer. Je pense qu'il me faut ça, c'est ça? Vous voyez? J'ai compris comment ça fonctionnait, en fait. Je prends les deux mains, c'est mieux. Et... D'accord, ok, j'ai compris le principe. Bon, je reprends la barre parce que... On est en train d'aller sur l'île et c'est pas trop le but. Bon, les caisses, ça revienne, hein. Si je vous dis pas de bêtises, au fur et à mesure, elles reviennent. Là, il y a une île. On va aller la voir et puis on va terminer là-dessus. Le jeu est, comment dire, intéressant, hein. Je pense que au niveau du concept même du jeu, c'est sympa, hein. C'est vraiment original. Le fait de pouvoir être le pirate pour de vrai, ça veut dire pouvoir être à pied, d'être sur le bateau, de se servir d'un canon, d'un harpon, des pistolets, des carabines, etc., etc. Ça donne vraiment une dimension au jeu qui est vraiment sympa.
Bon là, je sais pas trop sur ce qu'il y a sur cette île, mais on va aller faire un petit tour. On va aller encore un peu plus près. Il n'y a pas de bateau. Bon, c'est pas une île abandonnée pour autant. Il y a plein de caisses en tout cas. On va se faire plaisir. Je vais mettre l'ancre ici. Voilà. Bah non, vous voyez, je suis trop loin. Donc là, pour le coup... on peut pas y aller à pied. Je vais armer mon pistolet. Pour le au cas où. Non, je m'en doutais que ça leur allait pas. C'est bizarre, hein. Regardez celui-là. Il est en train de se baigner. Bon, je sais pas si je peux passer par là. Si. Est-ce que je peux traverser sans couler? Apparemment, oui. Bon, on réarme tout de suite. Vous voyez, c'est pour anticiper l'arrivée des boucaniers. Vous voyez, qu'est-ce que je vous avais dit? Bon, il a disparu. Mais étonnant qu'il n'y en ait eu qu'un. Bon là, la mer, elle doit être trop profonde pour que je puisse traverser, hein, à mon avis. Hein. Ah non. Impeccable. Faut que je sache que mon navire est là aussi. Hein. Mon navire. Un bien grand mot. Hein. Ah, j'ai pas réarmé. Bon, c'est pas grave. Voilà. Désolé. C'est comme ça, c'est comme ça. Bon, ça. On va s'en servir tout de suite. Allez hop. Donc vous voyez un peu les graphismes, c'est vraiment c'est du simple, hein, mais c'est joli quand même à regarder. Et puis c'est l'univers en lui-même qui ferait plutôt comment dire noter plutôt que bon. J'ai cru qu'il y avait encore des boucaniers, mais non, ils étaient pas là. Donc on peut courir, voyez. On va aller tout en haut de l'île en fait. Alors, on va mettre une balle là-dedans. Toc. Et en plus, on récupère des balles. Alors, j'ai un espèce de détecteur de métaux pendant qu'on y est. Ah, il y a un type qui arrive là. Je sais plus comment ça fonctionne ça. Et en fait, quand ça bip, quand il y a la cloche qui sonne, ça veut dire qu'il faut que je creuse, tout simplement. Vous voyez, c'est pas compliqué. Hein. On va aller jusqu'en bas comme ça. Je sais plus comment ça fonctionne. Je m'en rappelle plus. J'avais joué, le jeu était vraiment bêta de chez bêta. Je vous l'avais dit que j'avais entendu quelqu'un. Un coup, et c'est bon. Non, bah écoutez. Ils sont pas en train de taper sur mon navire au moins. Non. Méfions-nous, méfions-nous. Un drôle de détecteur. Bon bref. Voilà, vous savez où je voulais en venir. Le jeu, voilà, il est sympa. Il est assez original, donc vraiment c'est un jeu que je voulais vous faire découvrir. Donc j'espère que ça vous a plu, hein. Et puis il y a d'autres jeux de pirates, on y reviendra. Il y en a des autres. J'ai déjà fait une présentation de Pirate on the Deck, qui était un petit jeu de tir en fait
sympathique, mais pas non plus. Voilà, c'est vraiment un petit jeu. Je crois même qu'il est gratuit d'ailleurs. Mais là, c'est quand même un gros jeu. Hein. C'est pas un petit jeu non plus, quoi. Voilà. C'est déjà un jeu qui a beaucoup plus de prétention que Pirate on the Deck, c'est clair. Mais il y en a d'autres et on y reviendra. Parce qu'ils ont leurs défauts et leurs qualités, mais celui-là, il est sympa. Vous voyez, il y a un gros navire là-bas qui arrive. On le voit de loin. Il va approcher, vous voyez, regardez. Non, c'est très bien fait, hein. On le voit apparaître tout doucement. Et puis, à mon avis, il va canarder mon radeau. Encore qu'il était menti, est-ce que ça vaut vraiment le coup de canarder? Bon, écoutez, moi je vous laisse là-dessus et puis je vous dis à une prochaine émission dans un prochain jeu. Allez, salut!